Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 2, consacré à la découverte du nouveau mode, une balle chargée, qui fait son grand retour. Clairement, c'est pas mon mode de jeu fun préféré, mais ça fait plaisir de le retrouver. Et justement, avant de se lancer en une balle chargée, je vais quand même vous expliquer le déroulement de ce mode de jeu. Tu vas donc commencer chacune de tes games avec 3 vies, un pistolet et une seule balle dans ce dernier. Et oui, c'est plus que rudimentaire. L'objectif, bien évidemment, c'est de marquer un maximum de points afin de remporter la partie. Et pour se faire la meilleure des stratégies, c'est d'enchaîner les éliminations, d'en faire un maximum, car tu vas gagner des points en faisant des kills, mais tu vas également gagner des points en survivant. Car oui, au fur et à mesure de la partie, il y a des joueurs qui vont du coup disparaître, car ils auront perdu leurs 3 vies. Après, en termes de rentabilité, clairement le mieux, oui, c'est les éliminations, parce que tu remportes beaucoup moins de points, il me semble, en survivant. Si t'es par exemple le dernier survivant avec du coup le dernier adversaire, t'auras quand même remporté pas mal de points, mais ce sera pas suffisant pour l'emporter, surtout si ton adversaire, lui, de son côté, il a déjà fait pas mal d'éliminations. Après, également, autre règle très importante, à chacune de tes éliminations, tu vas remporter une nouvelle balle pour ton pistolet. Alors, évidemment, en principe, t'auras déjà utilisé la balle que tu avais précédemment, donc finalement, tu vas juste en retrouver une qui va remplacer celle que tu as perdue. Mais après, il y a une petite subtilité. Si t'arrives à faire un kill au corps à corps, bah tu n'auras pas utilisé ta balle, en tout cas si tu n'as pas encore tiré cette dernière, donc tu pourras avoir 2 balles à la place d'une. Donc ça peut être un peu la stratégie parfois, c'est d'éviter d'utiliser finalement la balle que tu as dans ton pistolet, de plutôt essayer de faire un kill au corps à corps, comme ça tu n'utilises pas ta balle, et en plus tu en gagnes une nouvelle, ça t'en fait 2, et pour l'heure tu as un certain avantage. Après c'est une stratégie très risquée, basé un peu, je dirais, sur l'esquive, parce qu'effectivement, si tu te retrouves en face à face avec un autre adversaire, en principe, lui, il aura également une balle dans son pistolet, tu peux effectivement essayer un peu, tu vois, d'esquiver, voilà, tu fais un peu des gauche-droite dans tous les sens, tu l'incites finalement à tirer et à rater sa balle. C'est sûr qu'une fois qu'après, il a plus de balle, de son côté, lui, il sera obligé de t'attaquer au corps à corps. Toi, finalement, après, t'as la position de supériorité, donc soit tu décides d'utiliser ta balle, et normalement, ce serait plutôt assuré, parce que lui, au bout d'un moment, il devra te rusher. Ou alors, ouais, t'essayes vraiment de le duel au corps à corps, en mode un peu kit ou double. On en reparlera d'ailleurs du kit ou double dans une prochaine vidéo. Et pour l'heure, tu peux avoir vraiment 2 balles dans ton pistolet, ce qui rend vraiment la tâche un peu plus facile. Donc, tout est une question aussi un peu de stratégie dans ce mode une balle chargée. Est-ce que t'es également le joueur qui va vraiment tenter le tout pour le tout, tu vois, rusher dans le tas, et tant pis pour les vies, tu tentes vraiment de faire un maximum de kills, et ouais, tant pis si t'es le premier à mourir, mais au moins t'auras peut-être déjà un capital d'élimination important. Soit tu préfères rester un peu en retrait. C'est intéressant à ce niveau-là, quand même, le mode une balle chargée. Après, souvent, voilà, c'est des games très rapides aussi, donc on n'a pas le temps d'assez en profiter. Ce serait bien, limite, d'avoir une version d'une balle chargée avec plus de vie, genre 5 vies, ce serait pas mal. C'est peut-être le cas sur ce Modern Warfare 2, j'en sais rien, hein, vu que là, on va découvrir, mais à mon avis, ça va être 3 vies, vu qu'à chaque fois, de toute façon, sur chaque itération du mode une balle chargée, c'était toujours 3 vies, donc à mon avis, ils ont clairement pas changé ça. Le truc qui va être un peu chiant d'ailleurs dans cette vidéo, ce sera la même chose pour la découverte du mode kit ou double, donc je pense que je répéterai pas pour le mode kit ou double, c'est qu'ils ont placé ces nouveaux modes dans une playlist mode en groupe. Et du coup, il y a 4 modes dans cette playlist, il y a kit ou double, il y a une balle chargée, il y a jeu d'armes et il y a infecté. Et du coup, il faut trouver le mode en question à chaque fois dans cette playlist, donc une chance sur 4, c'est pas évident, surtout que bon, vu que c'est des modes avec des parties très courtes, souvent on en fait quand même beaucoup en fait, durant les vidéos comme ça découvertes. Donc là peut-être que j'en ferai moins que d'habitude, peut-être que la vidéo sera pas très très longue. Mais en même temps, ouais, à chaque fois là, il va falloir réussir à tomber sur le mode une balle chargée, en espérant qu'on ait de la chance. C'est pour ça au niveau du déroulement aussi, ça va être un peu spécial, là je vous le dis, hein, c'est un peu le background. Mais en gros, je vais enchaîner le tournage de l'intro de cette vidéo et de la vidéo qui tout double, hein, les deux finalement sont liés. Et après, ouais, j'enchaînerai du coup les parties, que ce soit du coup en une balle chargée ou en qui tout double. Mais au moins, c'est plus pratique pour moi parce que tu vois, dès que je vais du coup trouver une partie, si c'est en une balle chargée, c'est bon, je peux du coup vous la proposer. Si c'est en qui tout double, exactement la même chose. Donc au moins, pour moi, c'est plutôt 2 chances sur 4, tu vois, de tomber sur le bon mode. Donc voilà pourquoi il y aura des gros différentiels de niveau, parce que là, tu vois, je suis niveau 356 actuellement.
Dites-vous que ce sera bien différent quand je serai sur tel ou tel game. Voilà, les explications sont faites. Au moins, j'aurais pas besoin de les refaire pour la vidéo qui tout double. Maintenant, il est enfin temps de se lancer sur la nouvelle version du mode Une balle chargée. Enfin, c'était tellement galère, mais j'ai réussi à trouver une game en une balle chargée. Alors par contre, vu la difficulté pour trouver une game, qu'est-ce que ça va être pour la suite de la vidéo? Je sais pas. Parce qu'il n'y avait que des games déjà commencées, mais limite je vais faire des games déjà commencées, même si c'est limite le pire mode pour en faire, mais... Normalement, on a même plus le choix, hein. Alors... Oh bah par contre, ok, ça a commencé avec un free kill. Là, il y avait un autre ennemi. Ouais, sauf que je le vois plus, non. Pas tenter une balle alors qu'après, si je la rate, je suis dans la mouise, hein. Au moins, on a commencé avec un free kill sur un AFK, ça c'est... c'est bon, ça c'est bon. Oh! Nickel, ça passe. Ouais, déjà, deux kills, ça commence bien, hein. Je dirais que pour déjà la partie soit un minimum bonne, mais vraiment c'est le minimum du minimum. Oh le doscope, ça c'est tenté. C'est de faire au moins un kill par vie. Bon là j'ai déjà fait 3 kills, donc limite le 1 kill par vie c'est fait, tu vois. Même si il me reste encore les 3 vies. Mais ouais, je dirais que c'est le minimum requis. Par contre le doscope là il était osé, hein. Je crois que c'est peut-être le mec là qui a insulté dans le chat. Je pense qu'il a insulté vu qu'il y a des étoiles là. Eh mais si on peut remporter dès la première game, je serais content. Hein. Sachant que je suis pas un très très bon joueur en une balle chargée, à vrai dire. Je suis très moyen dans ce mode. Je serais bien content. Bon, de toute façon, pour l'instant, tout le monde a encore ses vies. Oh, partez le nom, le timing, comme par hasard quand j'escalade. Ah, je pouvais pas tirer, hein, là, c'est sûr. Il va falloir improviser. Toi, par contre, je pourrais peut-être te tuer si t'arrêtes de bouger. Eh ben non. Il a tiré, je crois, aussi. Hein. Bon, par contre... Ok. Non, mais c'est... Oh, c'est pas possible. Ça, je déteste, par contre, c'est ce genre de situation. Où tu tires, malheureusement, au même moment, un autre tir, et du coup, il tue. Bon, c'est bon, on rattrape la connerie. Pfiou. Ok, il y avait un ennemi ici, viens. Viens, viens. Hop là. Ici, on est bien positionné, en vrai, hein, derrière le véhicule. Très bien positionné, même. Ça peut surprendre et tout, ça arrive par là. Hop là, bon, lui, il a dû me voir quand même, non? Peut-être pas. Oh, jure. J'espère que je vais encore emporter mon 50-50, hein. Eh ben non, pas cette fois. Le couteau ne l'a pas emporté. Ça t'a un peu abusé, peut-être, hein. Bon, en tout cas, j'ai une belle avance, surtout que... Ah non, par contre, il y en a encore beaucoup qui sont pas disqualifiés, hein. Mais je vais peut-être jouer le temps, du coup. Je vais peut-être jouer le temps pour la suite. Parce qu'en soi, il reste encore... Ah non, en fait, on est plus que 3. Donc en principe j'ai gagné, hein. Sachant que... ah bah voilà, 1v1, ok, 1v1, et bon c'est bon, j'ai gagné. Let's go, putain, première game, victoire, direct. Là c'est le 1v1. Ouais mais il est sur le top, là, je vais pas y aller, il va me fumer, là. J'ai quand même envie de faire le dernier kill, tu vois. Mais là, ah, il me rush, ah non, il part de l'autre sens, ok. Il essaie de me surprendre, mais j'ai vu le radar. Ouais, il arrive par là, mais peut-être qu'il est parti dans l'autre sens à nouveau. Il est vraiment parti dans l'autre sens à nouveau, hein. Attends, mais il y a des... Non, il y a des joueurs qui ont join, ça c'est chiant par contre. Mais quand je vous dis qu'il y a full partie déjà commencé, bah ouais, regarde. Oh non, ça c'est chiant, ça va complètement relancer la game. Bordel, mais on avait gagné. Je suis désolé, mais pour moi c'est une victoire, hein. Parce que s'ils n'avaient pas join là, c'était victoire assurée. Alors que là, bon, on sait pas ce qui peut se passer en réalité. Et ce qui est encore plus chiant, c'est que ça peut rejoindre comme ça en illimité, hein. Si ça arrête pas de quitter, en fait, à chaque fois, ça peut être remplacé. Mais bon, il y a une certaine logique, effectivement, quand t'as perdu une partie, que t'as plus de vie, bon, quel a l'intérêt de rester. Sauf si tu sais que tu peux peut-être gagner, mais sinon, il n'y a aucun intérêt, donc tu quittes. Moi, je serais pareil à leur place. Mais le souci, c'est que voilà, du coup, il y en a d'autres qui join et ça peut durer très longtemps. Bon, lui, on l'a vu. Ok. Ça, c'est le dernier, je pense, qui était avec moi. Donc là, il a perdu pour de bon. Après, voilà, tu vois, les deux, effectivement, ils ont pas de points, mais bon, quand même. Ah, 1v1. À nouveau. Bon, limite, je me laisse tuer et puis c'est fini. Hein. Au moins, voilà. Parce que là, il y a encore un risque, effectivement, que ça join. On sait jamais. Il est au-dessus ou en dessous, lui, par contre? Ah non, il est en dessous. Oh, voilà. Au moins, on a gagné. Parce que sinon, en vrai... Bah voilà, regarde, il y a encore un qui venait de join. Hein. Donc on l'a échappé belle. Let's go, première game en une balle chargée, c'est la victoire, même si bon, j'ai encore un peu peur pour la suite de la vidéo, parce que là, retrouver une game, ça va pas être facile, mais comme je le dis, ouais, tant pis, si c'est des games déjà commencées, je pense qu'on participera là-dessus, mais
dans une game déjà commencée, en principe, t'as peu de chances de l'emporter. Oui, ça peut toujours faire durer la partie très longtemps, mais pour l'emporter, après, c'est très compliqué. Enfin, juste vraiment pour proposer du gameplay dans le mode, mais pour vraiment comme objectif de l'emporter, non. On va s'en éloigner. Mais au moins, on aura fait une victoire. Donc au final, la case est décochée pour ça. Hein. Mais je comprends pas, ouais, pourquoi c'est toujours aussi compliqué de trouver une game en une balle chargée alors qu'on quitte tout double. C'est beaucoup plus simple, hein. Ok, oui. C'est une game déjà commencée, mais on va voir ce que ça donne, hein. Faut tester. De toute façon, ouais, vraiment, j'ai pas le choix. Même là, tu vois, c'est galère, hein, toujours, de trouver une partie. Donc, on se replie sur ça. Ah oui, par contre, regarde, le premier, là, il a 11 kills. Merci bien, mais non merci. Ah, par contre, on n'est pas avec le même pistolet cette fois, vu qu'on est au Desert Eagle. Mais ouais, c'est ce que je m'attendais, effectivement, avec des games déjà commencées. Même les games déjà commencées, en fait, c'est nul. Une balle chargée, ça vaut rien. Tout là, attends, on est pas en 1v1, mais... Ouais, limite, il y a les nouveaux joueurs, mais bon, qui viennent de rejoindre comme moi. Oh là là, l'état des games, du coup, c'est une catastrophe, hein. Non, il est parti, le gars, du coup, il est plus là. Il est en train de se tourner, de tourner en rond sur nous-mêmes. Oh. Ok, je sais pas comment ça a pu passer sans qu'il me tue, mais c'est passé. Ok, tant mieux. Au moins, on aura fait un kill dans cette game. Wouhou. Eh, ça va shipper peut-être un top 3, hein, qui sait. Ça m'étonnerait, parce que là, il n'en reste plus qu'un. Full life. Il est full life. Ah, il y en a un autre qui a rejoint encore. Bon, ça va peut-être relancer toute la partie, hein. Hop. Parce que regarde, du coup, là, il n'y a plus que des joueurs qui sont arrivés maintenant, là, en cours de game. Oui, ça m'étonnerait qu'ils viennent. Ce que je comprends pas, c'est que parfois, tu vois, on a le radar et parfois, on l'a pas. Je vois pas où est la nuance, du coup. C'est assez bizarre, hein. On est en train de tourner également encore l'un côté de l'autre. Oh là là, j'ai de la réussite au cut, dommage. Au moins j'ai eu mon kill au cut. Du coup je vais remporter en fait la partie, c'est ça qui est ahurissant. Vu que tous les gens ont quitté, même celui qui était premier. Ça c'est fou, hein. Oh non, putain. Ah celle-ci, il fallait pas la rater. Ah j'ai tenté, mais clairement j'aurais pas dû. Lui il m'a vu, ouais. Là il faut essayer de le faire tirer, mais... Je pense que c'est clairement pas garanti, hein. Il me suit ou pas? Ah, oh, j'ai tenté! Le timing, il aurait pu être parfait là! Non, il a pas été parfait! On serait retrouvé pile au même endroit! Ah, oh, mais ça a complètement relancé la partie! Oh, maintenant je suis dans la merde! Non, je suis complètement dans la merde parce qu'il y a que des nouveaux joueurs! Oh, en fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment que des games déjà commencés parce que limite les games repartent de zéro alors que c'est le même accueil! C'est ça qui est fou! Ok. Après, rien n'est encore fait là en soi. Hein. Je gagne des points. Vous pouvez me donner un petit radar là, ça fait plaisir, tu vois. De connaître un peu le positionnement de l'adversaire. Oh non, putain, elle est pas passée loin celle-ci. Bon, je crois que c'est une fin de partie pour moi. Je vois comment je pourrais me débrouiller là. On va en surprendre un, mais bon, ça va être compliqué. Hein. Et on est plus que 3. 4. Ça arrête jamais de rejoindre, c'est fou. Je suis tellement dans la merde là. Même s'il y a un mec qui vient ici, je pense qu'il pourrait me voir. Hein. Je pense qu'il y a peut-être une petite partie de mon corps qui dépasse. Hein. Par pur hasard. Oh merde. Et ouais. Ah là, j'ai tenté. J'aurais peut-être pu le surprendre, mais non. Et du coup là, il en reste plus que 2. Il en reste plus que 2. Et... Oh bordel, il est mort, hein. Ok, il y a peut-être moyen que ça passe, mais... Bah si, il faut que le troisième, là, fasse son kill, hein. Ouais, en fait, qu'importe, de toute façon, j'ai gagné, hein. Sauf que là, si, vu que ça va join, non, pas forcément. C'est une torture, hein, pour l'esprit, là, tu essaies de suivre la partie. C'est que des retournements de situation. Mais comment vous ratez vos balles, là, par contre? Non, il rate des balles, tu comprends pas comment, hein. Ouais, parce que le problème, c'est que si lui, il fait encore un kill, le Grokman, j'ai perdu, hein. C'est bon, j'ai gagné. Bon, bah, au final, faire des games déjà commencées, c'est peut-être pas si mal que ça. Et là, je sais pas comment j'ai réussi à l'emporter, mais j'ai réussi à l'emporter. C'est joué à 10 points, donc ça, c'est les points de survie. Waouh. Belle victoire. Une belle victoire. Bon, même si j'ai raté quelques balles, c'était des balles un peu en temps farfelues, tu vois, que j'ai essayé de tenter, mais qui étaient pas faciles à caler. Donc, ça, c'est pas des balles normalement ratables. Celle-ci, tu dois pas les rater. Quand tu tentes des trucs de fou, bon, vaut mieux pas le faire, mais parfois, c'est trop tentant, tu vois, tu peux pas passer à côté.
Eh ben, let's go. Deux parties, deux victoires. Et du coup, peut-être maintenant, ça va être un peu plus simple de trouver des games si je continue à lancer finalement des parties déjà commencées. Après, elles sont peut-être pas toutes comme ça, mais celle-ci a été largement jouable, donc j'en ai bien profité. Et en plus, on était sur Dôme. Encore mieux. Voilà, enfin, je retrouve une partie. Bon, c'est une partie déjà commencée parce qu'il faut pas trop en demander, mais ça fait plaisir. Et en plus, sur Imalmat Expo, encore mieux limite, hein. Alors, ouais, par contre, on n'est plus que 4. Bon, après, il y a un mec qui vient de join aussi, donc ça va. La partie est pas trop dans un mauvais état. Parce que parfois, au final, tu rejoins, t'arrives à rejoindre une partie déjà commencée, mais bah, la game est injouable. Comme du coup, il y a même pas 5 minutes, j'ai rejoint une game, on n'était plus que 2 qui du coup avaient des vies. Et malheureusement, le dernier, lui, il n'avait plus qu'une vie, donc je l'ai tué, fin de partie. Voilà, c'était sympa. Je suis ressorti de la game avec. Oh bordel. Avec un kill, zéro mort. Mais fin de partie. Lui, il va fuir vraiment. Alors qu'il devrait tenter le 50-50 contre moi. Ok, attends. Le problème, c'est que je sais pas du tout par où il est parti. Hein. Et il y en a un autre. Oh, dommage qu'il a pas tiré. Il aurait pu tirer sur le fil, là, tu sais. Aïe, 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 aïe. Il a disparu. Il s'est évaporé. Ah bah c'est bien dommage. Il y a l'autre là qui est de retour. Lui, je pense qu'il a petit dégueu. Ouais, j'ai pas de balle. Il était un peu trop confiant, hein, vu comment il avançait vers moi. Alors du coup, ouais, bon. Il y a toujours de quoi faire, hein, ça c'est sûr, mais. C'est dommage là que j'ai pas pu enchaîner au moins un troisième kill sans mourir. Ah, il faudrait limite l'aide du radar, hein, parce qu'honnêtement, j'ai aucune idée d'où ils sont. Il en reste encore 1, 2, 3. Ok, 3 adversaires encore. Qui ont, bon, plus ou moins de vie. dépendant des personnes. Bon, là, ça va être compliqué de l'emporter sur cette game. Mais bon, en même temps, sur une game déjà commencée, bah, faut limite espérer que le premier quitte, hein, pour l'emporter, à mon avis. Ah bah, ok, on n'est plus que 3. Ennemi repéré. Jure, elle est pas passée! Non! Oh, je suis quasiment sûr que j'étais dessus, hein. Aïe 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 aïe, sachant que lui maintenant il a une balle. Moi j'en ai pas. Ça va être charmant comme situation, même si après j'ai encore des vies, mais voilà quoi. Oh! Ça c'était pas mal hein. Ouais, malheureusement, bon, je vous proposerai quand même la game, mais tu vois là, encore une fois, bah ouais, vu que c'est une game déjà commencée, on va pas bien loin. Hein. Il y avait du potentiel pourtant pour celle-ci, tu vois, vu que là, bah j'avais perdu qu'une seule vie. Donc si ça avait join. Sauf que là, il n'y a pas eu de rage quit. On aurait vraiment pu avancer, pourquoi pas, vers une première place. Hein. On n'aurait pas été loin, en tout cas, de cette dernière. Hein. Mais bizarrement, tu vois, dans certaines parties, ils veulent pas quitter. Et du coup, bah, tu te retrouves bloqué en rejoignant, en tout cas, la game en cours. Donc, il faut avoir, en fait, cette chance, quand tu rejoins une game en cours, qu'à côté, ça quitte. Pour que, du coup, il y ait d'autres nouveaux joueurs qui arrivent et qu'on se retrouve limite dans une toute nouvelle partie. Mais c'est pas tout le temps le cas, bizarrement. Alors qu'on pourrait croire que si, mais non. Pas tout le temps la bonne situation rêvée. Bon, bah, je repars du coup en recherche d'une game, d'une balle chargée. C'est fou parce que je prends des minutes à trouver une partie et après la partie elle dure 2-3 minutes. C'est frustrant, mais il n'y a pas le choix. Hein. Qu'est-ce que c'est mal fait là qu'ils aient mis une balle chargée dans la police mode en groupe? C'est une galère après pour retrouver ce mode et encore plus pour le retrouver dans les meilleures conditions possibles. Enfin une nouvelle partie, je pensais pas que ça allait arriver, partie déjà commencée, mais par contre j'ai vu qu'on était que 4, donc je sais pas, on arrive sûrement sur une fin de partie un peu bizarre, ouais c'est ça, c'est ça, tout le monde a quitté, ok, sauf du coup le premier, bah en vrai lui s'il quitte, oh mince par contre on est bon, on est bon, mais il faut qu'il quitte, alors lui il m'a pas vu par contre, si il m'a vu, hop, pour le réflexe, ok. Par contre, je peux pas rester là, hein. C'est pas le pire endroit, mais c'est pas terrible non plus. Hein. Faut vraiment qu'il jarte, mais il a toutes ses vies, par contre, c'est abusé. Attends, le gars, il a 7 kills, il a pris aucune mort. Hein. C'est chaud, hein. Oh. Là, il y a clairement un mec. Ok. Il est parti, je sais pas s'il est parti à l'intérieur ou dans la ruelle. On va y aller prudemment, hein. C'est clairement ici. Hop, ok. Effet de surprise garanti. C'est vrai que sur le top, ça peut pas être un mauvais spot, hein. Ici même. C'est vrai, c'est vrai. En y repensant, c'est même goldé comme top, hein. Oh bon. Oh, sauf si je rate ma balle. Là, c'est moins goldé. Bon, va falloir faire un coup de génie de surprise cut contre quelqu'un. Je sais pas qui, mais on va le faire, hein. Enfin, on va essayer de le faire.
Genre là, tu vois, on entend les bruits de pas, peut-être qu'on peut réussir un petit exploit. Faut que je reste accroupi, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Ah, il y avait quelqu'un là, mais bon. Et l'autre, il a... Ok, il a perdu une vie, ouais! Enfin! Youpi! Oh, j'avais le meilleur spot là, mais non, il a fallu que je rate ma balle. La précipitation m'a coûté cher. Ça va être très compliqué là, quand même, hein, de cuter. Oh, dommage! Oh, ça, c'est joué à rien. Hein. Imagine, il aurait pu la mettre à côté. Je pense qu'en plus, il a dû peut-être tirer en noscope, vu qu'il était vraiment au corps à corps. Ouais, évidemment. Aïe, 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 dommage, dommage, dommage. N'a pas eu beaucoup de chance sur ce coup-ci, mais c'est également de ma faute, vu que j'ai raté ma balle. Donc, dans tous les cas, lui, il m'a vu. Putain, j'en ai marre, ça fait 2 fois que je rate ma balle sur lui! Pourquoi j'ai tenté aussi là, à autant de distance? Ah, ça. Ouais, ça nous met en difficulté là. Parce que si j'ai raté une fois le coup de cut, m'étonnerait que j'y arrive cette fois. Quoique, il y a lui. Oh non, mais vas-y! Mais oui, il rate pas par contre, hein! Oh, bah j'ai pas eu le temps de décaler en même temps, pour fuir. On est vraiment dans la merde. Là, c'est périlleux. Il est toujours pas. Ah si, il est disqualifié. Quitte, s'il te plaît. Comme ça, hop là, nous, on s'empare des premières places. Attends, là, je suis au fond de la map aussi. Pas rester ici, je vois pas ce que je pourrais faire. Le radar, bon, maintenant qu'on a le radar, on peut. Mais avant, c'était trop compliqué. Hein. Ah, ils sont tous au même endroit, les deux là. 1-1-1. C'est un 1v1? Ah non. L'autre, il a respawn. J'aime pas quand il y a le radar en vrai, parce que c'est full pré-shoot. C'est full pré-shoot, donc c'est encore plus compliqué. Genre là, lui, il va m'attendre, il sait que j'arrive. C'est évident. Quoique là, il est parti, mais. Je sais pas s'il est encore là. Là, je vois pas assez sur le radar. S'il est encore là. Ok. C'est passé, c'est passé. Ah, il est encore respawn, ou alors c'est un nouveau. Ah non, c'est un nouveau, je crois qu'il vient de join plutôt. Hein. Putain, il était juste là. Hein. Ok, il a raté. Ça va, plutôt facile. Et là, imagine, j'avais vraiment les colonnes. Je tentais de l'éliminer au couteau pour avoir 2 balles. Ça, vraiment, ça aurait été le truc couillu. Mais trop dangereux, j'ai plus qu'une vie. En vrai, j'aurais eu plusieurs vies, je pense que je l'aurais vraiment tenté. Mais avec une seule vie, c'est pas possible. Oh, putain, il est juste là. Ok, ça passe! De toute façon, j'arriverai pas à finir premier. S'il quitte pas, en tout cas. Parce que là, il faut faire 9 kills, donc c'est impossible. Mais, ah bah, de toute façon, il reste plus qu'une vie. Donc là, c'est le duel final. On a chacun une vie. Oh, allez, il serait bien quand même de faire un dernier. Ah, ok, je le voyais pas là. Jure, putain! Hunter, mission accomplie. Oh, je l'ai pas vu là! Pour Bon moi, travail. il était encore un peu plus loin vers le middle. Bon, petit 6-3, ça va. La game était pas dégueu. Mais bordel, oh là là, c'est chiant quand même à chaque fois d'essayer de trouver une partie, à chaque fois c'est parti déjà commencé. Bon, dans cet état-là, c'est largement jouable, même si bah tu vois, du coup, la première place, clairement qu'on peut pas aller la chercher quand tu commences, le mec il a déjà 7 kills. Laisse tomber, laisse tomber. Par contre, tu vois, on arrive, il avait 7 kills, il avait perdu 0 vie, et là il a fait que 2 kills supplémentaires et a perdu ses 3 vies. Donc on est bien quand même. Hein. En vrai, on peut même dire qu'on l'a emporté parce que du coup, c'était le seul vraiment qui était en haute posture à notre arrivée. Sinon, tout le monde était sur un pied d'égalité. Du coup, si tu prends les autres joueurs, effectivement, je vais finir devant eux. Donc, on peut dire que c'est limite une victoire. Faut se réconforter comme on peut, hein. Que voulez-vous? Bon, je vais peut-être essayer de faire une dernière game. Comme ça, on sera un peu plus de 20 minutes de vidéo. C'est déjà bien. Mais ouais, de toute façon, les conditions sont compliquées. Donc, pas facile de proposer des games. Mais dès qu'on peut, j'essaye! De vous en proposer, que ce soit en partie déjà commencée ou non, même si maintenant j'ai l'impression de toute façon que c'est que des parties déjà commencées. Là j'avais espoir à la limite qu'il y ait une nouvelle game d'une balle chargée, mais non. C'est du kit tout double, tant pis. J'ai peut-être trouvé la dernière game en une balle chargée, attention, oh ça m'a l'air d'être bien quand je vois que le premier a pas énormément de points. Ok, ouais non, je pense qu'on a peut-être enfin trouvé cette dernière partie. Quelle galère, hein, j'en peux plus moi. Je veux juste terminer cette vidéo. C'est vraiment trop problématique de trouver. Oh, par contre il y a un ennemi là. C'est trop problématique de trouver une balle chargée. Oh la tête en plus! Magnifique, vous avez éliminé un. Attends, mais y a pas ça d'habitude. Peut-être la première fois aussi que je mets une tête, mais ouais, pourquoi il y a eu une petite notification là carrément?
Bon, je sais pas, mais merci. Merci, hein, le jeu, de me dire ça. Fait plaisir, c'était une belle animation. Alors. Bon, ici, y a personne. En vrai, ici, il y a moyen quand même de surprendre l'adversaire. Genre, tu te mets là derrière le comptoir. Oh merde. Oh, bah. J'ai eu pas mal de chance qu'il rate sa balle. Ok. Ouah, j'ai eu même énormément de chance là. Hein. Ce plongeon là, je voulais juste aller au comptoir et. Comme par hasard, il y a eu un ennemi au même moment. On est passé en fait du pire timing au. Ok, j'ai beaucoup de chance. Après, je crois que je vais pas rester ici en fait. Hein. Parce que là, avec l'ennemi qui m'a vu et tout. Limite, je me mets ici, tu vois. Ça, par contre, ça peut être. Ouais, ça peut être bien. Comme spot. On est bien là, quand même. 3-0. Ah oui, mais c'est. Oh non, c'est le 1v1 final. Oh non. Attends, si, je sais, j'ai une idée. On va tempo, on va tempo. Oh merde. Ah, c'est bon, ça join. Non, dommage. Bah ouais, si on tempo, ça peut join. Donc voilà. Et là, dommage, par contre. Genre, en même temps, oui, c'est sûr, vu qu'il attendait, lui, il était prêt. Moi, j'étais pas prêt, tu vois. J'étais pas en train de d'être viseur fixe. Et ça a bien rejoint, effectivement. Bon, ça relance un peu la game, malgré que. Ah, j'aurais bien aimé rester. Avec mes 3 vies, hein. J'étais bien, j'étais bien. Et là, maintenant, on n'a plus aucune info. Alors, je n'ai pas, de toute façon, l'impression qu'il y ait des ennemis dans les alentours. Hein. On les aurait entendus, je pense, au moins. Ah! J'ai entendu. J'ai entendu quelque chose, là, par contre. À ma gauche. J'aurais dit à ma gauche, hein. Ah, à ma droite. En dessous. En dessous. Putain, ça passe en plus, ça passe! Ce genre de balle, d'habitude, ça passe pas. Là, elle est passée, tant mieux. Il reste. Ça va, il reste encore de la marge, vu qu'il y en a beaucoup qui ont join. Oh non, par contre, celle-ci, elle était très, très. Zosé! Je rate mon combat de cut en plus, non! J'aurais dû le laisser venir, mais en fait, je pensais pas qu'il avait utilisé sa balle pour rien, je pensais qu'il avait fait un kill, mais non. Donc, du coup, j'avais juste à attendre, effectivement, et c'était garanti, hein. Mais je savais pas qu'il avait plus de balle lui aussi. Je sais vraiment qu'il avait fait un kill là en tirant. Ouais, je suis pas si bien que ça, du coup. Faut au moins que je fasse un kill, ça c'est sûr, mais. Ça va rien me garantir. Il y en a plus que 3 en plus là? Ah ouais. Il y en a plus que 3. Qui ont du coup. Ah bah il y en a un, il a toutes ses vies. L'autre par contre, il n'en a plus qu'une seule. Et voilà. Ah bah non, attends. Si? Non? Pourquoi il y a celui qui a plus de vie, il n'a pas le crâne? Bon. Ah bah attends, il y en a un autre qui a encore. Mais je ne comprends plus rien là. Attends, mais. On. Comment ça se fait qu'on est encore 3 alors que normalement, non? Oh bordel. Fallait pas la rater. Je suis dans la merde. Carrément dans la merde. Je suis entre les deux là. Mais je comprends pas, regardez les vies là. Mais c'est pas. C'est pas possible. Vraiment, je comprends rien. Plus qu'une minute. Oh non. Non! Et le cut qui passe pas encore! Mais c'est pas possible! Mais what? Et je respawn encore? Ah, il y a un bug, hein. Ok, donc il y a bel et bien un bug. On s'est fait donner une vie supplémentaire, bon. Très bien. Why not, hein? C'est pas moi qui vais m'en plaindre, hein. Oh, il est passé, jure, lui, comme ça, là. Plus que Ok, ça 30 secondes. passe. Et ça passe! Let's go! On va l'emporter, peut-être. Bon, ça respawn de ce côté. Cette game par contre, bah, elle va se terminer au temps. Hein. C'est la première game qui se termine au temps, incroyable. Oh non, dommage. Plus que 10 secondes. Mais vas-y, mais il y a vie infinie en fait! Oh, c'est complètement buggé! Mais je comprends maintenant! Je vais vous raconter une anecdote après là. Une fois que c'est terminé, j'ai une anecdote là à vous raconter, c'est fou. Ok. Donc c'est pas la première fois qu'il y a ce Victoire, bug. vous avez fait Parce du bon boulot. que hier, oui, bah, tellement que tu vois, j'ai pris du temps à trouver des parties, que j'ai tourné ces vidéos sur plusieurs jours. Mais hier, du coup, je suis dopé dans une game. Déjà commencé. Bon, c'était un moment de la vidéo où je voulais pas encore jouer sur les parties déjà commencées. C'était vraiment au tout début. Et j'avais vu que le mec, le premier, il avait 17 kills. Je me suis dit, mais attends, mais comment a-t-il fait 17 kills? C'est pas possible. Je sais plus par contre combien il avait de morts, j'avoue. Mais il avait 17 kills, le gars. Comment c'est possible de faire autant de kills en une balle chargée? Même si tu vois, continuellement, il y a des nouveaux joueurs qui rejoignent. 17 kills, rendez-vous compte. Non.
Mais je pense que du coup, c'est pour ça. Il y avait peut-être ce bug également dans cette partie, ce qui fait que bah, continuellement, il pouvait respawn. Bon, on termine cette vidéo avec une game très bizarre, mais on l'emporte, c'est le principal. Fiouf! On a encore eu de la chance. Non, non, je vais pas dire ça parce que vraiment, non, j'ai pas vraiment eu de chance avec toutes les games là. C'était galère. C'est simple en fait. Déjà, parmi bah, du coup les 4 modes qu'on a dans cette playlist mode en groupe, déjà une balle chargée, tu tombes jamais dessus. Alors que normalement, t'as autant de chances de tomber sur tel ou tel mode, mais je sais pas, une balle chargée sur les 4 modes, tu le retrouves jamais. Quand t'as la chance d'avoir une balle chargée, je dirais 70% du temps, c'est une game qui est pas jouable, parce que soit du coup tu vas rejoindre la partie, il va rester peut-être un mec qui a des vies, donc tu vas le tuer une fois limite et fin de partie. Soit tu vas rejoindre la partie, tu arrives dans la kill cam finale. Voilà, donc c'était également une fin de partie. Donc ces games-là, forcément, tu peux pas y jouer. Parfois, tu as d'autres games aussi, bon, on va dire qu'elles sont jouables, entre guillemets, mais tu arrives tellement dans des circonstances compliquées que tu pourras rien faire. En même temps, c'est normal avec une partie déjà commencée. Donc c'est fou de se dire que ouais, il y a peut-être 30% des games qui sont jouables sur des parties déjà commencées, mais encore faut-il les trouver. Non, je vous dis, je pensais pas que ça aurait été autant un calvaire, surtout que quitte ou double, tu vois, j'ai vraiment pas galéré à faire mes games et à vous faire du coup la vidéo au complet. Mais là, une balle chargée, c'était vraiment un pur calvaire. Je comprends pas pourquoi, de toute façon, ils ont pas mis les deux modes en indépendant et une semaine après. Ils font la playlist mode en groupe pour regrouper tous les modes. Parce que Infecté et Jeux d'armes, ils ont eu droit à leur playlist. Mais Quitte ou double et une balle chargée, ils n'ont pas eu le droit à ça. Donc j'espère quand même que dans le futur, on aura une playlist une balle chargée à part. Comme ça, on fera peut-être à nouveau une vidéo. Mais cette fois-ci, bah, sans pression. Parce qu'à chaque fois, on pourra vraiment bien expérimenter le mode. Parce que là, malheureusement, ouais, on l'a fait un peu à l'arrache hein, sur cette vidéo. Mais j'avais pas le choix. On a fait qu'une seule game, du coup, non commencée, je crois. Toutes les autres games, c'était des games déjà commencées. Mais ouais, clairement, il n'y avait pas le choix, comme je dis, c'était une vraie galère de trouver des parties un minimum décentes. Et c'était même mission impossible, de toute façon, de trouver des parties qui n'étaient pas déjà commencées à l'exception de la première. En tout cas, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, de commentaires et de partages. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment, on se retrouve du coup très très vite pour d'autres vidéos, que ce soit sur ce Modern Warfare 2 ou sur d'autres jeux. Allez, bye tout le monde. Oh yeah!